notion qui est arriver à faire des tirages non pas successifs, mais on va vouloir dénombrer des tirages quand on va faire plein de tirages d'un coup. Donc on va vouloir séparer des choses, séparer ça en plusieurs situations. Ah, donc je vais juste expliquer le cours, hein, mais s'il fait qu'une page au début sur les dénombrements. Imaginons que j'ai un espace oméga, je m'en fiche royalement, c'est x1 jusque xn. Donc j'ai le cardinal de oméga qui vaut n, clairement. Et imaginons que je veux tirer k éléments ordonnés de oméga, c'est-à-dire que je tire un premier élément, je l'appelle l'élément numéro 1, puis un deuxième élément, un élément numéro 2. Donc pour le premier tirage, j'ai combien de possibilités? Bah, soit je tire x1, soit je tire x2, soit je tire xn. Pour le deuxième tirage, imaginons que j'ai tiré x la première fois, pour le deuxième tirage, je peux avoir x1, x2 jusque... Non, xn, j'ai pas dit qu'ils étaient distincts, donc je peux tirer tous les éléments comme ça. Donc j'ai encore x1 jusque xn, et je veux faire 4 tirages comme ça. La question que j'ai, c'est combien j'ai de possibilités. Alors je vais faire une flèche là comme ça pour dire 4 tirages. Pour le premier tirage, j'ai combien de possibilités? N. Pour le deuxième? Pour le troisième? Et bien sûr, on multiplie à chaque fois le nombre de termes. On va faire ça k fois. Combien y a-t-il de possibilités? Ici, il y en a n puissance k. Pas quelque chose de très 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 compliqué. On va faire le lien avec le cours après, mais c'est pour que vous compreniez ce principe-là. Maintenant, je rajoute une deuxième partie. Je veux tirer k éléments ordonnés de oméga. Et je vais rajouter un argument ici. Je veux qu'ils soient tous... distinct. Donc si je reprends le même schéma que celui qui est là en rouge à côté, imaginons que donc j'ai encore une fois mon x1, mon x2, je continue comme ça, je vais jusque xn, imaginons que je tire x2 au premier tirage, ensuite j'ai x1 et derrière je ne peux passer qu'à x3 vu que je veux pas que mes tirages soient les mêmes, et je vais jusque xn, et je continue comme ça, et bien sûr je fais encore une fois 4 tirages. Alors non, justement, pour le premier tirage, on revient sur la logique. Pour le premier tirage, il y a combien de possibilités? Clairement n, comme tout à l'heure. Par contre, pour le deuxième, Simon? Alors, pas directement. Pour le deuxième tirage, j'en ai combien de possibilités? N-1. Pour le troisième tirage, n-2. Donc si je fais 4 tirages, combien y a-t-il de possibilités en rouge? N fois n-1 fois n-2, alors faut voir jusqu'où on va. Pour le premier tirage, c'est n, pour le deuxième, c'est n-1, pour le troisième, c'est n-2, pour le quatrième tirage, c'est n moins k-1. On doit décaler d'un cran à cause de ça. Donc, le nombre de tirages, si on veut l'écrire, ça se résume comme ça en n, n-1, n-2, et on peut même le réécrire fois n moins k plus 1. Alors ça fait pas, Simon, tu parlais de factoriel, ça va pas juste, ça fait pas une factorielle parce que pour avoir une factorielle, il faudrait qu'on fasse n tirages. Si on ne tire pas tous les éléments, il en reste derrière. Donc, par contre, on peut complètement exprimer ce nombre-là par une factorielle parce qu'il suffit de compléter en fait par ce qui manque. Typiquement, si ce nombre-là, je vous le réécris n fois n-1 fois n-2, je continue jusqu'à n-k plus 1. On voit jusqu'en bas, là, oui, on voit. Et que derrière, je multiplie ça par n-k factoriel. Bon, bien sûr, si je multiplie par n-k factoriel, je divise par n-k factoriel pour pas modifier mon nombre. Ce nombre devient en haut du n factoriel et en bas du n-k factoriel. Donc, ce nombre-là, c'est du n factoriel sur n-k factoriel. OK. Donc, on vient de faire deux tirages de k éléments d'un seul coup. Enfin, quand j'ai dit des tirages successifs, mais
Maintenant, on peut regrouper, on a dénombré un tirage d'un seul coup. Si on prend qu'un élément avec remise d'un seul coup, c'est-à-dire avec remise, on a le droit de retomber sur le même élément, il y a n puissance k possibilités. Si par contre, on fait des tirages sans remise, qui revient à faire des tirages successifs ou à tout prendre d'un coup comme ça, en ordonnant vos tirages, il y en a n factoriel sur n moins k factoriel tirage possible. Maxence. Je peux juste expliquer pourquoi on fait n moins k moins 1 et pas n moins k. Oui, alors, c'est, si tu veux, le décalage, il est lié ici. Le premier tirage, tu fais du n-0. Le deuxième tirage, du n-1. Le troisième, tu es d'accord maintenant sur la logique, le troisième, tu fais du n-2. Donc, le kème tirage, voilà, mon n-1. K-1 avec des parenthèses comme ça. Alors après, ça simplifie comme il faut, mais c'est juste ça le principe. Donc vous êtes d'accord déjà que vous comprenez ce dénombrement que je viens de vous faire. Mais maintenant, enfin, je vais faire le cours, je vais expliquer le détail derrière, mais ces formules, on peut les connaître directement et les balancer directement sans les justifier. Donc vous pouvez aussi apprendre le résultat quand on va mettre le contexte du vocabulaire du cours en plus de ça, mais c'est ça. La dernière chose qui peut se passer... Et là, c'est vraiment une nouvelle forme de dénombrement que vous ne connaissiez pas jusqu'à cette année. On en a déjà beaucoup parlé, c'est lié au coefficient du binôme. Mais si je vous demande maintenant, je vais faire une nouvelle page, on va effacer ça. Si je vous demande maintenant de tirer alors, K éléments tous distincts, et je vais rajouter quelque chose, je n'ai pas besoin de les ordonner. C'est-à-dire que je m'en fiche que j'ai obtenu tel élément. Imaginons que mon tirage, exemple, mon tirage c'est x1, x7, x11, j'ai tiré trois éléments. Ce que je veux dire par là, c'est je me fiche, je compte aussi bien le tirage qui est fait de x1, x7, x11, mais celui-là, il me va aussi bien que le tirage x7, x11, x1. L'autre tirage, ce serait x1, x11, x7. Et on peut encore en écrire d'autres, vous êtes d'accord avec ce principe-là. Donc, je ne veux pas compter l'ordre des termes. Je veux juste compter le nombre de possibilités qu'il y en a. Ça, je vous l'ai déjà expliqué depuis le début de l'année. Combien y a-t-il de tirages possibles dans ce qui est dans cette situation-ci? Combien de tirages? Alors ici, non, il y avait une histoire. Pour ordonner, il y avait une histoire de 6 factoriels. Combien de tirages? Il y en a tout simplement. Si je veux tirer k éléments, on va ensemble à n éléments. En fait, si je ne compte pas l'ordre, il n'y en a que k parmi n. Et c'est logique, cette formule, on va comprendre pourquoi. C'est lié à une dernière notion et on a vu toutes les notions qu'on a à voir, donc on aura fini le cours, ça n'aura pas été très 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 long. C'est lié à une dernière notion, cette notion-là, c'est combien il faut savoir pour pouvoir trouver notamment la formule du k parmi n qui est là au-dessus. Je peux même définir maintenant le k parmi n comme étant le nombre de tirages non ordonnés si je veux. Combien y a-t-il? Pardon, y a-t-il de façon d'ordonner, de ranger, un ensemble à k éléments? Imaginons que je vous donne un ensemble, c'est x1 jusque xk. Donc je le note avec des accolades pour que ce soit un ensemble. Donc il n'y a pas de notion d'ordre dans un ensemble, c'est juste c'est un sac, si vous voulez. C'est une urne. Et maintenant, je veux les ordonner. Donc, je veux faire des listes. Donc, clairement, il y a la liste x1 jusque xk. Et bien sûr, après, je peux faire du x2, x1 et je continue x3, etc. Et je veux savoir, il y en a combien de ce type de liste-là? Comment on va dénombrer ça? C'est pas très, très compliqué. Je veux savoir combien de façons différentes j'ai d'ordonner un ensemble de k éléments si je les rends avec des éléments tous distincts. Bah, je fais un arbre. Pour le premier élément, je peux mettre soit x1, soit x2, soit xk. Imaginons que j'ai pris x2 pour le deuxième élément, je peux prendre que
x1, x3 jusque xk, on va tout le temps comme ça, sauf que là, on va jusqu'au bout de l'arbre, parce que je veux en redonner tous mes éléments. Donc, on va aller jusqu'au bout, à la fin, il n'y aura plus qu'une dernière branche. Imaginons que c'est x7 qui a été tiré en dernier, je m'en fiche. Mais donc, pour la première branche, il y avait k possibilités, pour la deuxième, k moins 1, comme tout à l'heure, et on continue jusqu'à la dernière. Pour la dernière, il n'y avait plus qu'une seule possibilité. Donc, combien y a-t-il de façons d'ordonner un ensemble à k éléments? Il y en a tout simplement k factoriel. C'est ça l'utilité un peu de la factorielle. Donc, je peux me permettre de revenir là-haut. Comment est-ce que je peux tirer un ensemble d'éléments tous distincts non ordonnés? Je viens de dire à la page d'avant, je ne la remets pas, que pour tirer un ensemble de k éléments ordonnés, j'utilisais du... Alors, il est où mon pointeur? Là. J'utilisais du n factoriel sur du n moins k factoriel. Ce nombre-là correspondant au nombre de tirages ordonné. Et dernière chose, maintenant que j'ai tous les tirages ordonnés, comment est-ce que je fais pour avoir un tirage non ordonné? On est bien d'accord que des tirages ordonnés, il y en a beaucoup plus que des tirages non ordonnés. Donc je dois diviser par le nombre de façons d'ordonner mes tirages. Donc pour ça, je vais diviser ce nombre-là. Alors, encore une fois, il faut que je retrouve mon pointeur. Simon? K parmi n, il ne manque pas un k factoriel au dénominateur. J'y arrive, 10 secondes, je suis en train de l'expliquer. Justement. Mais je trouve plus mon pointeur. Je vais écrire, je suis là. Justement, je dois diviser ce nombre par le nombre de façons. Ce nombre-là qui arrive au dénominateur, c'est ce nombre-là en bas. C'est le nombre de façons d'ordonner un ensemble. Donc, puisqu'il y a plus de tirages ordonnés que de tirages désordonnés, je divise par ce nombre pour rendre mon ensemble désordonné, tout simplement. Donc ça, ça vous permet, si vous voulez, vous n'avez pas à savoir le justifier, mais la formule des k parmi n, et ça vous justifie bien surtout que les k parmi n, le nombre k parmi n, qu'on n'aura jamais à justifier de sa valeur, cette formule maintenant est vraie, permet de dénombrer des tirages non ordonnés. François ? Je comprends pas pourquoi il y a moins de tirages non ordonnés que d'ordonnés. Alors justement, maintenant je vais parler un peu de vocabulaire un tout petit peu plus mathématique pour faire le cours, pour finir le cours sur le vocabulaire à utiliser. Et on va faire un exemple. On va écrire un exemple pour sur toutes les possibilités qu'il y a de tirage pour comprendre à peu près comment ça marche. Mais maintenant, faisons un peu plus de vocabulaire mathématique pour comprendre ce qui se passe. Je vais revenir sur les premières définitions du poly. Là, on a fait toutes les formules de dénombrement, donc toutes les formules de cardinaux. Bon, il faut que je retrouve mon pointeur, je vais remonter, voilà, une nouvelle page. Alors, en mathématiques, la notion d'ensemble, quand je vous donne un ensemble, par exemple oméga égale x1, xn, est une notion qui est dépourvue d'ordre. Si je veux faire une notion qui est ordonnée de la même chose, je vais créer pour mon ensemble oméga ce que je vais appeler un PUplay, ou, il y a un deuxième mot au programme à connaître, une PList. C'est-à-dire que si je vous fais la liste x1, x1, x3, x2, jusque derrière je mets x7, pardon, je mets des parenthèses, ça c'est une liste de, c'est une 5 listes, est un 5-uplé. Ah oui, c'est parce qu'il y a la guirlande. Ok. Maxence. Oh, mais deux fois x1. Alors justement, j'y arrive, 10 secondes. Voilà, non, mais donc un PUplay ou une PList, c'est vous prenez des éléments d'un même ensemble et vous les listez à la suite.
quand je vous donne un vecteur de coordonnées x, y, z, vous êtes bien d'accord qu'il y a la première coordonnée, c'est x, la deuxième, c'est y, la troisième, c'est z. C'est exactement la même notion que ce qu'on utilise déjà en algèbre linéaire avec les espaces vectoriels ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des coordonnées et la première coordonnée, c'est bien la deuxième, enfin, c'est ordonnée. Il y a une notion d'ordre. Alexis ? C'est la magie de Noël. Ça vous forcera à regarder le cours pour la rentrée. C'est bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Je décide juste d'appeler un PUPLÉ quand c'est ordonné. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver ? Qu'est-ce qu'on vient de prouver avec les formules précédentes ? Si je prends, alors, première chose, qu'on vient de prouver avant. Un, c'est que si A est un sous-ensemble je vais plutôt mettre soit A, et c'est pas un sous-ensemble, excusez-moi, on va parler de l'ensemble des sous-ensembles. C'est un peu compliqué, mais j'ai pas le choix. Soit A, donc je dois parler de l'ensemble des sous-ensembles. Je vais essayer de contourner ce mot, mais j'ai pas le choix de vous faire un truc compliqué. L'ensemble de tous les sous-ensembles de oméga de cardinal K. Si je veux lister toutes les sous-ensembles ou les parties de oméga qui sont de cardinal K, j'en ai combien ? Je cherche bien, puisque je calcule, j'essaye de dénombrer des ensembles. J'ai dit que des ensembles n'étaient pas ordonnés. Donc, s'ils ne sont pas ordonnés, vous ne pouvez pas prendre deux fois le même élément. Enfin, il n'existe qu'une seule fois, vous prenez tout d'un seul coup. Ce que je viens de vous dire, c'est que le cardinal de A, c'est... Oui, donc c'est le K parmi N. On n'a pas besoin de le définir plus loin que ça, c'est le nombre pour nous, K parmi N. Ce qu'on vient de dire aussi avant, c'est que le cardinal, je vais l'écrire directement comme ça ici, de l'ensemble de tous les PUPLÉ de oméga, si je prends n'importe quelle liste ordonnée de oméga de P éléments, on vient de dire qu'il y en avait, à la page d'avant, on en dit qu'il y en avait N puissance P. Et le troisième point qu'on vient d'établir aussi, c'est que le cardinal de l'ensemble de tous les PUPLÉ, mais ça n'a pas vraiment de nom mathématique, ça, il faut l'écrire à la main, de PUPLÉ d'éléments distincts de oméga, donc si on ne prend que des PUPLÉ, c'est-à-dire si on liste de façon ordonnée, mais des éléments qui sont tous différents, il y en a n factoriel sur n moins p factoriel. Et il y a un dernier nombre qu'on a défini dans nos formules avant pour faire tout le dénombrement. C'était le nombre de façons d'ordonner un ensemble non ordonné. Vous êtes d'accord ? Donc il y a un dernier nombre, c'est le... On peut calculer le cardinal de l'ensemble des PUPLÉ Alors c'est un peu lié à ça, hein. C'est plutôt une conséquence de la formule du dessus, mais de l'ensemble des PUPLÉ d'éléments distants de, si je prends de l'ensemble X1 jusqu'à XP, de P éléments, ça, ce qu'on a dit, c'était le nombre de façons, il y en a P factoriel pour celui-là. En gros, c'est faire un PUPLÉ, mais jusqu'au bout, c'est le nombre de façons d'ordonner un ensemble non ordonné. De P éléments, il y a P factoriel possibilité. Ça permet de faire n'importe quel tirage simultané.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. On va faire un tableau pour résumer la situation, mais je vous assure que vous pourrez décomposer n'importe quelle situation de dénombrement en une de ces trois possibilités. Enfin, j'en ai écrit quatre, mais il y en a une, c'est une conséquence de l'autre. Donc, on va écrire ça. Alors, allons-y. Faisons une nouvelle page pour faire le tableau. Le tableau, je sais plus les quelles pages du poly du chapitre 7, mais il est déjà fait. Mohamed Amine, il y a une question ? L'oméga là-haut, c'est l'ensemble X1. Alors, c'est parce que c'est juste le poly. Enfin, le programme vous parle de PUPlay. Très souvent, on va plutôt nous parler d'ensemble à K éléments. Mais sinon, trichons 10 secondes et parlons de KUPlay pour tricher. On vient de dire qu'un ensemble à K éléments, il y en a combien ? Il y en a K parmi N. Des listes à K éléments, il y en a N puissance K. Des listes d'éléments distincts à K éléments, il y en a N sur N moins K factoriel. Le dernier truc, c'est combien j'ai de façons d'ordonner un ensemble à K éléments. Parce que le petit ensemble que tu as tiré, du lequel sous la forme d'un ensemble, il faut peut-être l'ordonner, combien il y a de possibilités. Donc c'est K factoriel. Et c'est juste à ça que sert le quatrième point. On a A, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles. Deux cardinal K. Deux cardinal K. C'est A qui est... Alors faisons des exemples. Pour comprendre ces formules, faisons des exemples. Avant de passer, c'est vrai, je vais passer au tableau résumé, faisons un exemple. Je vous donne oméga, c'est... Il y en a un dans le poly, je ne sais pas si c'est le même que j'ai fait. Mais oméga, c'est 1, 2, 3, 4. Et je vais vouloir faire justement tous les... Je vais vouloir dénombrer les sous-ensembles à trois éléments de oméga. Bah, c'est quoi un sous-ensemble à trois éléments ? J'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 4. J'ai 2, 3, 4. Et j'en ai raté un. 1, 3, 4. Oui, j'ai raté celui-là. Merci. Donc, vous êtes bien d'accord que les sous-ensembles à 3 éléments de oméga, il y en a 4. On les a bien tous listés, là. Et je vais mettre ici. Bah, ça tombe bien, parce que 3 parmi 4, c'est censé être le nombre de ces sous-ensembles. Et 3 parmi 4, je vous rappelle que c'est la même chose. Tirer 3 éléments parmi 4, c'est la même chose qu'en prendre un seul et de mettre tout le reste de côté. Et 1 parmi 4, vous le savez, ça fait 4. On l'a dit, parce que le nombre de façons de tirer un élément parmi 4, c'est s'il y a 4 boules dans votre tourne, vous avez 4 possibilités pour tirer une seule boule. Donc, on vient bien de trouver les 4 éléments. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait. Alors, ça, c'est pour les sous-ensembles. Maintenant, on monte en complexité, les trois listes d'éléments distincts. Oui. Oui, c'est ça. Donc, si j'appelle maintenant A, qui est l'ensemble de tous ces ensembles-là, ça, c'est le cardinal de A. Oui, c'est oméga qui veut, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4. On tire parmi 4 éléments. Les trois listes d'éléments distincts. Comment je peux faire une trois listes d'éléments distincts ? Je peux faire la liste 1, 2, 3. Mais maintenant, c'est ordonné. Donc, je peux aussi faire la liste 1, 3, 2. Je peux aussi faire... je vais faire une permutation 2, 1, 3. Je peux aussi faire 2, 3, 1. Je peux en faire d'autres ou pas ? Non, c'est bon. Donc, ici, si j'appelle ça B, l'ensemble de toutes ces listes, le cardinal de B, c'est bien du 4 factoriel sur 4 moins 3 factoriel. Ah oui, j'ai pas mis encore 3 devant, pardon, j'ai oublié 3, 1, 2 et 3, 2, 1. Bon, on allait y arriver, mais on va voir pourquoi on tombe pas dessus. Parce que si j'ordonne ça, Gaspard, le deuxième tirage d'après toi, c'est désordonné ? Absolument pas. Sinon, si c'était désordonné,
cet élément-là serait le même que celui-là, serait le même que celui-là. Ah oui, mais en fait, j'ai pas encore tout compté, j'ai pas encore fait les liens avec 4. Là, j'ai juste compté toutes les possibilités sur 1, 2, 3. Mais je vais obtenir beaucoup plus de trucs. Donc, vous êtes d'accord que maintenant, je peux compter 1, 2, 4. Mais il y a aussi 1, 4, 2. Il y a aussi 4, 1, 2. Il y a aussi 4, 2, 1. Il y a aussi 1, 3, 4. Je vais peut-être pas tout écrire, mais maintenant, vous avez compris le principe. Donc, il y en a combien? Et c'est ce que j'arrivais à voir là et que je me disais, mince, comment ça se fait que je trouve pas tout? Mais c'est parce que j'ai oublié le 4. On avait bien 4 éléments, on a tiré 3, ça fait du 4 factoriel sur 3 factoriel, ça fait du 4 factoriel sur 1 factoriel, ça fait du 4 factoriel. Et 4 factoriel, ça fait 4 fois 3 fois 2. Il y a 24 listes différentes, ordonnées, d'éléments distincts. Bah, 3 listes d'éléments distincts pour un ensemble à 4 éléments à la base. Donc, il y a déjà 24 possibilités. Oui, il y avait 4, il n'y avait que 4 possibilités. Hugo? Les accolades définissent en mathématiques un ensemble et un ensemble n'est jamais ordonné. Les parenthèses définissent un PUplé ou une PList et c'est un élément ordonné. C'est juste ça, faut juste ça se retient et c'est tout. Maintenant, si je veux faire les 3 listes de oméga, tout simplement, c'est-à-dire que je ne mets même plus la condition d'être distinct ou non, bah, qu'est-ce que je peux faire comme liste? Je peux faire 1, 1, 1, je peux faire 1, 1, 2, je peux faire 1, 1, 3, je peux faire 1, 1, 4, je ne vais pas tout lister, on est d'accord? Baptiste? C'est non ordonné. Ce sont des ensembles, il n'y a pas de notion d'ordre d'éléments dans un ensemble. Alors, on va apprendre quelque chose. C'est juste, mais là, c'est juste de la logique bête, mais il faut qu'on l'ait vu une fois. Cet ensemble-là, on va toujours vous l'écrire comme ça, parce que ça s'appelle l'ordre des nombres. Mais cet ensemble-là, c'est la même chose que cet ensemble-là. C'est juste que vous allez jamais, on va jamais vous l'écrire 1, 3, 2, sinon directement vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a mis 3 avant 2? C'est juste une convention que votre esprit a fait après 18 ans de formatage, hein, mais c'est la même chose. Si je vous demande de m'ordonner des lettres de A, A, B, C, D, enfin non, mais oui, je le fais naturellement. Vous le faites par ordre alphabétique. Si vous demandez d'ordonner des mots ou des dictionnaires, enfin des mots dans un dictionnaire, vous allez le faire par ce qu'on appelle l'ordre lexicographique. C'est l'ordre A. Donc c'est juste une convention. Ce n'est pas ordonné. Donc dernier cas, il y a tous les. Je peux mettre autant de 1 que je veux, autant de 2 que je veux, autant de 3 que je veux, autant de 4 que je veux. Combien j'ai de possibilités pour ce nombre dans pour l'ensemble C de tous les éléments qui sont là-dedans? Ben c'est ce que je viens de vous exprimer tout à l'heure. Le cardinal de C, dans ce cas-là, c'est du 4 puissance 3. Donc ça fait 4 fois 4, 16. 16 fois 4, j'en suis à 64. Donc il y a 64 éléments dans cet ensemble-là. Donc il va falloir, à chaque fois qu'on va vouloir faire plein de tirages d'un seul coup, essayer de dénombrer est-ce que c'est un tirage ordonné ou non, d'éléments distincts ou non. Et si c'est ça, on a une case du tableau qu'on peut faire pour savoir dénombrer des tirages simultanés. Donc, hop, j'essaie de retrouver ma flèche. On change de page. Ok, j'ai compris. Vous boudez. J'ai compris. C'est bon. Si on veut faire des tirages simultanés de K éléments,
tout se résume, l'ensemble du cours peut se résumer à ce tableau-là si vous le comprenez bien et si vous savez l'appliquer. Comment peut-on faire des tirages simultanés de k éléments parmi n possibles si c'est avec remise et ordonnée? C'est donc une k-liste d'éléments non distincts. J'impose pas qu'ils soient distincts, cette case-là. C'est quoi le cardinal? Le nombre de possibilités? On est dans quelle situation par rapport à tout ce qu'on a expliqué? Je peux recommencer, faire de la remise. Je peux retirer le même élément plein de fois et j'ordonne. Simon? N puissance k, 100% d'accord. Je vais dans la case d'à côté. Je fais la même chose, je fais un tirage ordonné, mais je ne peux pas reprendre deux fois le même élément. Je fais donc le tirage d'une calice d'éléments distincts. Ça, on l'a dénombré tout à l'heure, ça fait n factoriel sur n moins k factoriel. Alors, si je veux faire un tirage désordonné, j'ai dit que je pouvais tirer un ensemble. Dans un ensemble, on ne peut pas mettre deux fois le même élément. Si, entre guillemets, je le mets là-haut, tant pis pour la guirlande, l'ensemble, ça, ceci n'a pas de sens mathématique. Cet ensemble-là, vous ne pouvez pas me le créer. Ça n'a pas de sens en maths de créer l'ensemble 1, 1, 2, 3. S'il y a 1 dans l'ensemble, il y a 1, ou il n'y est pas. Mais il n'y est pas deux fois, ça n'a pas de sens. En fait, tout à l'heure, on a déjà fait un ensemble avec deux fois x1. Non, c'était une liste. En fait, il y a eu bien des accolades. Autour des listes, pour calculer l'ensemble de toutes les listes. D'accord. Donc, ce n'est que si on ne fait pas de remise qu'on peut calculer ça, et ça, ça fait du k parmi n. La case qui est là, vous ne savez pas faire. C'est complètement hors programme, et c'est même plus que hors programme, c'est... On ne sait pas dénombrer ça, à part en séparant, en disjonction de k, des trois autres cas. Alors, il y a un exo dans le poly qui traîne, qui permet de calculer ça, sur un exemple simple. Mais officiellement, vous ne devez pas savoir dénombrer cette situation. Si on fait de la remise et que c'est désordonné, vous n'avez pas à savoir dénombrer. Donc, voilà comment on peut résumer tout le cours. La seule question qui est, quand je vais vous donner un tirage simultané, c'est dans quelle situation vous êtes. Et dernière chose, il faut essayer de ne pas utiliser ces formules de dénombrement dès que vous pouvez. C'est juste que quand on veut faire des tirages successifs en trop grande profondeur, ça devient trop compliqué. Prenons l'exemple fondamental qui permet d'expliquer ça. Prenons l'exemple du tirage du loto. Je mets juste là, oui, je réécris là-haut, mon Dieu. Au loto, si vous savez comment marche le loto, vous n'avez pas besoin de noter l'énoncé. On tire combien de boules au loto? 6 numéros. Ils sont tirés comment? Au hasard, ils sont tirés avec ou sans remise? Sans remise. Et il y a une dernière question qu'il faut se poser pour pouvoir répondre, c'est est-ce que le tirage est ordonné ou non? Alors, je suis d'accord que si vous regardez le tirage du loto, le tirage qui vous est mis est ordonné. Mais imaginons que les numéros tirés sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous gagnez moins d'argent si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1 par rapport à votre ticket que vous avez noté? On s'en fiche. Donc, est-ce que le tirage est ordonné? Non. C'est-à-dire que le résultat pour vous, si ce que vous voulez calculer, c'est la probabilité de gagner au loto, que le tirage soit ordonné ou non, c'est strictement la même chose. Donc on peut dire que c'est un tirage sans remise. Non ordonné. Et donc je ne sais pas comment vous réfléchissez pour essayer de dénombrer le nombre de tirages qu'il y a au loto. Mais si vous dites, bah, pour la première boule, il y a 49 possibilités, pour la deuxième, il y en a 48, mais justement, ce que je viens de dire, mais à la fin, si les numéros sont les mêmes, qu'est-ce qui se passe? Mince. Non, il n'y a plus besoin de réfléchir à ça. Maintenant, vous savez faire. C'est quoi hein? Alors, son tiré, j'ai pas mis, mais c'est parmi 49.
Il y a combien de tirages possibles au loto? Bah, c'est très facile. C'est un tirage non ordonné sans remise. Si pas un vari 49, vous avez fini de dénombrer. Hein. Il y a pas, c'est pas un autre nombre. C'est ce nombre-là. Alors bien sûr, il faut le calculer par rapport au factoriel pour avoir le nombre de possibilités. Je sais plus, je pense que de mémoire, faudrait le faire. Hein. Mais je pense qu'au loto, c'est environ 8 millions. 49, parce qu'il y a 49 millions. Oui. Au loto, il y a 49 millions. Mais maintenant, je sais que le loto, c'est un truc de vieux. Maintenant, vous, les jeunes, c'est quoi? C'est l'euro-million, c'est ça? Ouais, parions sport, non, mais les trucs à multi-tirage avec des gens qui jouent comme des pieds, non, ça peut pas. Ça tient la bande. En revanche, ouais, l'euro million, je sais même plus comment ça marche, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. C'est 5 numéros entre 1 et 50. Et 2 étoiles. C'est ça, hein? Ou une étoile? 2 étoiles entre 1 et 12. Encore une fois, si l'étoile numéro 1 et l'étoile numéro 7 tombent, est-ce que c'est la même chose que si c'est l'étoile numéro 7 et l'étoile numéro 1? Oui. Est-ce que les numéros, si c'est les numéros 13, 12, 23, 42 qui sont sortis ou l'autre sens, est-ce que c'est la même chose? Oui. Donc, ce sont des tirages, encore une fois, désordonnés. Alors, ça va permettre de quand même vous expliquer un principe fondamental, ce deuxième tirage. C'est qu'à tout moment, quand vous devez compter des tirages, notamment en désordonné, vous pouvez séparer votre tirage total en sous-tirages complètement disjoints. Ce que je veux dire par le truc du principe de l'euro-million, c'est clair et c'est facile à comprendre via ce principe-là. Vous avez des boules qui sont tirées, des numéros, et des étoiles. Donc on peut donc séparer le tirage des boules et des numéros et le tirage des étoiles. Chaque fois qu'on peut séparer en tirage disjoint, ce qui se passe en maths, c'est que vous me faites un produit cartésien d'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait donc, on va donc essayer de dénombrer, si j'essaye de faire les tirages de l'euro million, en fait, je peux dire que c'est le tirage d'un ensemble. Les étoiles peuvent, c'est avec remise ou sans remise les étoiles? On peut tomber deux fois sur la même, non? Deux éléments. Je peux séparer mon tirage en un sous-ensemble de deux tirages disjoints, vous êtes d'accord? Dès que je fais ça en termes de cardinaux, ça va devenir un produit. Donc le nombre de tirages de l'euro million, je recopie pas tout. Bah, c'est le cardinal de ce premier ensemble, je recopie pas tout, fois le cardinal du deuxième ensemble. Bon, bah, c'est pas très très compliqué. Comment on fait pour tirer 5 numéros parmi 50 de façon désordonnée? Bah, c'est 5 parmi 50 et l'autre c'est 2 parmi 12. Et vous avez fini de dénombrer. Alors, je suis vieux, donc je crois qu'au début, l'euro million, c'était pas à 12 étoiles et que c'était à 10 de mémoire. Je crois pas que ça a toujours été à 12. À l'époque, je me rappelle que le dénombrement, enfin, il faudrait juste que j'utilise Scilab, hein, je pourrais vous le calculer, mais ça doit être à peu près de l'ordre de 15 millions de possibilités. Alors, je crois que c'était à 10, que c'était 15 millions, donc maintenant, on a dû encore augmenter. Voilà. Bon, voilà. Alors, c'est juste pour vous dire que pour nous, le dénombrement s'arrête dès que vous m'avez dit 6 parmi 49. Il n'y a pas besoin de faire plus de choses que ça. Et maintenant, on va voir que même sur des exos simples de type bac, savoir dénombrer en simultané peut changer tout et peut mener à des calculs beaucoup plus simples pour faire des calculs de probabilité ou choses comme ça. Donc, il faut savoir se servir de ça, mais ça ne sert pas tout le temps. C'est des calculs qui sont plus rares.
Donc allons-y, faisons un exemple. Je me rends juste compte que j'ai oublié de mettre un petit lien dans la page d'avant, sur le tableau. Donc je reprends juste 10 secondes mon tableau. Il manque un truc dans ce tableau. À chaque fois, j'ai fait 4 points de dénombrement, il n'y a que 3 cases au tableau. Il y a un point que j'ai expliqué qui est que pour passer de cette case-là à cette case-là, dans mon tableau, il y a k factoriel. Alors là, je vais utiliser le mot qui est dans votre poly. Permutation possible d'un ensemble à k éléments. Donc ça, c'est le nombre de façons d'ordonner un ensemble à k éléments. Ok. Allons-y, faisons des calculs à partir de ça pour commencer normalement. Après, on fera de la binomiale. Alors, sort le, on, donc c'est dans le chapitre 7. On va jouer à la belote. On va faire l'exercice 1. Alors, l'idée c'est qu'on joue. S'il vous plaît, vous avez encore une heure de cours. Hein? Une heure de maths au moins. Au moins. Donc, si vous savez tous jouer à la belote, ça me va, hein, mais sinon je peux expliquer juste 10 secondes. On a un jeu de 32 cartes seulement et on distribue 4, ce qu'on appelle 4 mains de 8 cartes aux joueurs. Ce qu'on appelle une couleur, ce n'est pas juste noir-rouge, c'est trèfle, carreau, cœur, pique en jeu de cartes. Et on appelle une main donc toute combinaison de cartes des 8 cartes qu'on a tirées au hasard. Votre main n'est pas ordonnée parce que si vous avez tiré d'abord le roi de pique puis la dame de cœur, c'est pareil que s'ils étaient à un autre endroit de votre main. Donc c'est un tirage non ordonné. Et on distribue à 4 joueurs, donc 8 cartes. Combien y a-t-il de mains possibles à ce jeu ? Exactement, François. 8 parmi 32. Maintenant que tu penses avec ta tête, ça va mieux. Alors, donc la première possibilité, on ne va pas détailler trop, c'est la possibilité d'avoir donc 8 cartes parmi 32. Enfin, on tire 8 cartes parmi 32, ça vous donne le nombre de mains. Ça doit être de l'ordre de 2 500 000. Ouais. C'est pas oui, quelle est la possibilité? Non, je suis désolé, excusez-moi. Je m'en demande pas, je dis n'importe quoi. C'est beaucoup moins que 2 500 000. Mais par contre, c'est si on l'a compté, alors c'est justement l'écart, faudrait compter l'écart. Mais si on voulait la compter en ordonnée, pas en désordonnée, mais en ordonnée, il y aurait plus de 2 500 000 mains. Donc c'est l'avantage de compter en deux ordonnées, c'est que ça permet de diminuer le cardinal. Bah, c'est facile, ça diminue le cardinal de 8 factoriels. Voilà, donc c'est... ça divise par 8 factoriels. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir une main ayant 2 cartes de chaque couleur ? Alors, c'est là où on va raisonner un tout petit peu différemment. On veut déjà une probabilité d'un événement qui est, je vais l'appeler, je vais noter un nom dessus pour pas me le réécrire à chaque fois, 2 cartes je vais l'appeler l'événement C4 pour 4 couleurs. Donc si on veut 2 cartes de chaque couleur. Comment on fait ? On est bien d'accord qu'on tire les cartes au hasard. Notre chapitre précédent de probabilité sur les tirages au hasard s'applique. On est bien dans un tirage équiprobable. Ça,
c'est bien tout simplement, alors je perds mon pointeur, je suis où là? Cardinal, mince, je suis encore en haut, c'est ça qui vous gêne en fait? Non, ça va? C'est le cardinal de C4 sur le cardinal de Oméga. Le cardinal de Oméga, c'est ce que je vous ai fait calculer à la question précédente. Le cardinal de Oméga, c'est je tire une main quelconque. Donc c'est bien du 8 parmi 32. Donc il me reste là-haut à calculer le cardinal de C4, le nombre de mains qui contiennent deux cartes de chaque couleur. Comment on fait pour calculer, pour trouver le nombre de mains qui contiennent deux cartes de chaque couleur? Bon, si c'est pour rigoler et faire ça, enfin, je vais pas pouvoir faire court pendant que vous faites ça en face. Donc, soit vous m'écoutez, soit vous participez, mais vous ne, enfin, c'est pour rire entre deux, vous dégagez de ma salle. Là, je vais pas pouvoir tenir. Je veux bien être gentil, je veux bien être jovial, mais là, je vais pas pouvoir faire court, en fait. Comment, d'après vous, pouvez-vous essayer de faire pour me dénombrer les mains qui ont deux cartes de chaque couleur? Le principe, c'est le principe que j'ai appliqué pour l'euro-million juste avant, si vous voulez. Comment vous pouvez faire? On ne va pas avoir un jeu qui contient 32 cartes. On va pouvoir séparer notre jeu en sous-ensemble, en gros, en sous-partie disjointe. Comment on peut faire? Baptiste, t'avais une idée? Alors, 4 fois 2 par minute, ça c'est le dénombrement. Comment t'as fait pour faire ça? Ouais, ok. Arthur? C'est pas pour chaque couleur, voilà. Exactement. Donc, selon le principe de séparation que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit qu'un tirage, ça peut se, si on peut se décomposer en sous-morceaux, et j'insiste à mort sur ce mot disjoint, parce que sinon c'est là où vous allez raconter n'importe quoi. On peut faire des sous-tirages dans chaque morceau et compter comme ça. Donc, si vous voulez dénombrer une main qui possède deux cartes de chaque couleur, vous séparez votre jeu de cartes en 4 tas. Ben, le tas des piques, le tas des carreaux, le tas des cœurs, le tas des trèfles. Et dans le tas des piques, vous allez prendre deux cartes parmi les 8 piques. Dans le tas des carreaux, vous allez prendre deux cartes parmi... Et donc ça marche pas ton truc, en plus je t'ai dit 4 fois, ça va être de la puissance 4 qui va arriver. Tu vois, comme quoi de tête ça marchait même pas, l'idée était là mais c'est pas le bon truc. Donc comment on va faire? On va dire en fait que l'événement C4, c'est l'événement, je vais appeler ça P2, inter, ou ce, oui on peut le voir comme ça en fait, inter, comment ça s'appelle, carreau, cœur, donc CA2, inter CO2, inter TR2, non T ça suffit, T2, avec P2 c'est piocher deux piques, l'autre c'est piocher, donc bien sûr, je vais pas tout noter, ça vous va pour l'idée, CA2 c'est piocher deux carreaux, etc. CO2, c'est piocher deux cœurs, et T2, c'est piocher deux trèfles. Ça revient à cette intersection d'événements-là. J'ai pas besoin de fermer ma parenthèse, vu que c'est pas une proba. Donc là, les tirages étant, puisque je sépare mes piles, mes tirages sont bien indépendants. S'ils sont indépendants, la probabilité de l'intersection, ça devient le produit des probabilités. La probabilité de l'événement C4, ça devient, ou le nombre de tirages, c'est la même chose. Ça va commencer à être la probabilité de l'élément P2 fois la probabilité de CA2 fois la probabilité de CO2 fois la probabilité de T2. Et si je reviens à ma notion de dénombrement de tout à l'heure, j'avais mon 8 parmi 32. Le premier élément, c'est du 2 parmi 8. Le deuxième élément, c'est du 2 parmi 8. Le troisième élément, c'est du 2 parmi 8. Et le quatrième élément, c'est du 2 parmi 8. Donc ça me fait du 2 parmi 8 puissance 4 sur 8 parmi 32. Si vous avez compris ce principe-là, vous avez compris tout le principe de dénombrement en tirage désordonné. Il n'y a rien de plus que ça. Est-ce que ça vous va ce principe-là du 2 parmi 8 puissance 4? Alors, continuons les questions un peu bêtes.
quelle est la probabilité d'avoir une main monocolore, c'est-à-dire 8 trèfles, 8 carreaux, 8 cœurs ou 8 piques. Alors justement, François vient de dire quelque chose, je le dis plus fort. Il a dit 4 parmi 32, ça ne me va pas du tout. Tu tires des couleurs parmi des cartes. T'es d'accord que c'est ça ton raisonnement du 4 parmi 32. Vous ne devez faire que des tirages d'objets de l'ensemble. Donc là, si on tire des cartes, on doit tirer des cartes. Et si une main est constituée de 8 cartes, vous devez m'expliquer un tirage parmi qui doit mener à tirer 8 cartes parmi, à la fin, il faut qu'on ait tiré 8 cartes parmi 32. Autre façon de l'expliquer, ce principe-là que François, que je viens de voir avec François, regardez ce qui vient de se passer dans mon tirage. Comment j'ai détaillé le tirage qui est là? Si j'encadre mes 4 éléments qui sont là. Donc si je regroupe bien mes 4 éléments, au total ici en bas, j'ai bien tiré 8 éléments. Parmi en haut, j'avais bien, si j'ai séparé en 4 urnes, j'avais bien en haut tous mes 32 éléments. Donc, ici par exemple, c'est le même principe. Comment je fais une main qui contient 8 piques? Ben, si je veux faire la probabilité de l'événement P8-8 piques, ben, je vais prendre 8 piques parmi mes 8 piques, je vais prendre 0 parmi les 24 ordres de cartes en fait. On est bien d'accord que c'est comme ça que je fais mon tirage. Je sépare mon jeu de cartes en les 8 piques, tout le reste, et je dis, je prends 8 piques parmi les 8 et je prends rien dans le reste. Et ça, bien sûr, je le divise par le nombre de possibilités totales qui était 8 parmi 32. Alors bien sûr, là-dedans, il y a deux nombres qui sont assez simples. La probabilité de tirer 8 piques, 8 parmi 8, ça fait 1. 0 parmi 24, 1. Donc dans les deux cas, ça vous fait du 1 parmi. Alors c'est pas mon événement de la question 3. La question 3, c'était une main monocolore. Donc la probabilité d'une main monocolore, on est bien d'accord que c'est la probabilité de soit faire 8 piques ou 8 carreaux ou 8 cœurs ou 8 trèfles. Alors non, ici ce ne sont pas des intersections, ce sont des unions. Comment vous me faites disparaître les unions? Alors soit on fait une formule des probabilités totales, mais pour un truc aussi simple, pas besoin de probabilité totale, c'est plus simple que ça. Est-ce que vous pouvez tirer en même temps? C'est pas indépendant, c'est pas le mot indépendant, hein, Manon. Elles sont disjointes, ces unions. Ce sont bien des unions disjointes. Vous ne pouvez pas avoir en même temps 8 piques et 8 cœurs. Donc, parce que ce sont des unions disjointes, oula, j'arrive plus à écrire, excusez-moi, ça va, mais c'est marqué probabilité de P8. Et bien sûr, les quatre probabilités sont les mêmes, ça fait du... Alors, le 2 ici est mal passé, si c'est ça qui vous gêne, c'est un 2, hein, ça. Ça fait du 4 divisé par 8 parmi 32, si vous voulez la probabilité de ce truc-là. Alors, je continue. Je reviens 10 secondes en arrière, mais c'était pour commencer. On change de registre en termes de difficulté et de possibilité. Et ça a à voir avec d'autres règles de probabilité. Le dénombrement, on a vraiment tout vu. La seule chose, c'est de séparer en tirages qui sont disjoints. Je reviens donc sur la page d'après. Je peux passer à la page suivante? Non? Ok. 32, ouais, 8 parmi, c'est 4 divisé par 8 parmi 32. Et vous avez dénombré. La seule chose qui vous manque, c'est d'avoir un ordinateur qui vous dise ça fait combien le nombre 8 parmi 32. Et vous avez fini. Je peux? Ça y est ou pas? Oui. Alors là, c'est encore une fois, ce n'est pas le principe de dénombrement qu'on va mettre en cause, c'est les raisonnements probabilistes autour.
Je veux une main qui comporte c'est au moins un roi et une dame. Pardon, excusez-moi, j'écris plus bas. Au moins, c'est un pi. Donc je veux qu'il y ait au moins un roi et une dame. Comment vous essayez de me dénombrer ça, Arthur? On sépare les rois et les dames des autres cartes. Du coup, on a un paquet de 8 cartes et le reste de 7. Alors, Arthur me propose de séparer le tas roi-dame du reste. Ça ne me va pas du tout pour quelque chose. Si vous allez piocher dans le tas roi-dame, comment vous savez si vous avez un roi ou une dame? Vous ne le savez pas. Donc cette décomposition-là ne me va pas. Simon. On sépare en 3 tas, on fait un tas roi, un tas dame et un tas. Alors, bonne idée, ça va être un peu le principe qu'on va mettre en place, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Comment tu me fais une main de 8 cartes à partir de ça? Donc, ce que propose Simon, c'est de dire tout simplement l'ensemble de toutes les cartes, on sépare en l'ensemble des dames, ça me va très bien, l'ensemble des rois et l'ensemble des autres. Ça me va très bien, très très bien. Mais comment tu me fais une main qui contient au moins un roi et une dame? Un parmi quatre, plus. Alors ça va pas être des plus, ça va être des fois. 6 parmi 24, du coup, c'est ça? 28, 32, c'est ça. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vient de dénombrer Simon s'il a fait ça? Max? Et voilà, une main qui contient au moins une dame et un roi. Il y a aussi la main qui contient, comme l'a dit Max, 4 dames et 4 rois. Donc c'est beaucoup plus dur que ça à dénombrer. Et c'est le problème de la méthode de Simon, mais qui va être la bonne méthode, hein, mais il manque juste un petit truc derrière. C'est que le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas dans notre main combien il y a de dames et combien il y a de rois. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, ici en bas, on a un X. Ici en bas, on a un Y. Et ici en bas, on a un 8 moins X moins Y, soyons clairs. Et la seule contrainte qu'on a, c'est qu'on veut que X soit supérieur ou égal à 1 et que Y soit supérieur ou égal à 1. Donc il y a l'air d'avoir quand même, et c'est ça qui va tout jouer, et c'est un argument probabiliste et pas un argument de dénombrement, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de possibilités pour créer une main qui a au moins un roi et une dame. Martin ? Alors non, ça va pas être calculé comme ça, mais c'est l'idée de Simon qui va mieux s'appliquer dans notre cas, puisqu'il y a beaucoup de possibilités de faire une main qui contient au moins un roi et une dame. On va plutôt essayer de trouver le complémentaire. Donc c'est quoi le complémentaire de une main qui contient un roi et une dame? Donc si cet événement-là, je l'appelle A, A bar, c'est quoi l'événement A bar? Comment vous me l'expliquez? Martin? Alors justement, mais vous voyez le problème, et c'est le problème de ces événements et pas d'avoir de variables aléatoires. Alors justement, c'est super intéressant et ça va me permettre de vous faire un peu de variables aléatoires pour vous expliquer les choses, parce que ça vous gêne. Savoir nier cet événement, c'est le truc qui va le plus vous planter une fois que vous avez l'idée. Comment on fait? Alors, je vais vous aider juste sur un truc. Je vais appeler X, ou non, je vais appeler D, la variable aléatoire du nombre de dames, et R, la variable aléatoire du nombre de rois. Est-ce que vous êtes d'accord que cet événement, c'est D plus grand que 1 et R plus grand que 1? On veut donc le contraire de l'événement au moins un roi et une dame. On va le décrire après, mais cet événement, c'est donc le contraire de D supérieur ou égal à 1 et R supérieur ou égal à 1. Arthur, c'est une question ou c'est pour... Tu veux me nier l'événement? T'as un événement ou avec mes variables? Moi, je dirais avoir aucun roi ou avoir aucune dame. Non, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Avoir ni de roi ni de dame. C'est pas le contraire de mon événement. Zacharia? Une dame ou avoir un roi? Alors, je vais rajouter quelque chose, mais c'est ça.
c'est avoir au plus un roi ou une dame. Alors, c'est très dur à voir, vous voyez, vous vous trompez tous. Faisons des maths, faisons des variables aléatoires et faisons des événements basés sur les variables aléatoires. C'est beaucoup plus simple à voir. Je vous ai appris les lois de Morgan qui permettent de nier des unions et des intersections. C'est quoi le contraire d'une intersection ? C'est une union. Donc ça, ça va me donner D supérieur ou égal à 1 ou R supérieur ou égal à 1 bar, les deux barrés. Donc ça, ça devient le contraire de D supérieur ou égal à 1. D strictement plus petit que 1 ou R strictement plus petit que 1. Donc mon événement, ça devient ça. Soit le nombre de dames est nul, soit le nombre de rois est nul. Donc ça, en fait, c'est l'événement D plus petit que 1, c'est D égale 0. Ah, t'avais dit un ou. Ah oui, t'avais pas dit ni, excuse-moi. Enfin, j'étais dans ce. Tout le monde était dans cette. Non, je suis d'accord avec toi. À cause du ou que tu dis, ça marche. Alors, comment on va calculer la probabilité de cette union ? Bah, il faut faire un raisonnement proba avant de faire du dénombrement. On cherche donc la probabilité de D égale 0, union R égale 0. Question, est-ce que cette union est disjointe ? Ah bon, on ne peut pas avoir une main qui contient ni roi ni dame. On ne peut pas avoir une dame et un roi en même temps. Ah non, mais dans la même carte. Non, mais l'événement D égale 0, c'est une main qui contient aucune dame et R égale 0, c'est une main qui contient aucun roi. Est-ce que vous pouvez avoir une main qui contient aucun roi et aucune dame ? Oui, donc cette union n'est absolument pas disjointe. On parle d'union non disjointe, d'accord. Bah, comment on fait pour faire une union non disjointe ? Alors si on avait beaucoup des unions non disjointes, on ne saurait pas faire. Tant qu'il y en a que deux, on sait faire. C'est ce que je vous avais appelé au début du chapitre de proba, la formule du crible. Pour faire une union, on fait la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'intersection. Ça s'appelle la formule du crible. Donc ce qu'on utilise ici, c'est le crible. Ça va être la probabilité que le nombre de dames soit réduit à 0 plus la probabilité que le nombre de rois soit réduit à 0 moins la probabilité que on ait 0 roi et 0 dame. Ça, c'était pour tout à l'heure, pour expliquer pourquoi la méthode de Simon était compliquée. Donc ça, on peut, enfin, pour le moment, vous pouvez rayer ça, c'est pas très important. Donc je vais revenir directement au proba par rapport au dénombrement pour gagner un tout petit peu de temps ici. Je vais faire, c'est bien une somme et une différence de proba, je vais tout mettre le dénombrement au numérateur et diviser par le cardinal total pour gagner un peu de temps. Baptiste. C'est pour les événements. Ah mais non, mais à côté. Alors attendez, c'est parce que là il y avait deux choses. Tout ce qui est là dans la partie verte ici, c'était... Mince, tout ce qui est là dans la partie verte, c'était la description de l'événement. Ici, là, tout ce qui est dans la partie rouge, c'est la description du calcul de probabilité. OK ? Mais les crochets, c'est juste pour décrire les événements. C'est juste pour dire c'est un événement lié à un nombre, une variable aléatoire. Comment je peux faire pour créer une main qui possède zéro dame ? Non, 8 parmi 20. Non, 28. Ouais, on prend 0 dames parmi 4 et on prend 8 parmi
28, c'est ça. Pour les rois, c'est la même chose. On reprend notre urne, on la sépare en deux. Enfin, notre urne, notre paquet de cartes. On met les rois d'un côté, il y en a 0 parmi 4 et 8 parmi 28. Et maintenant, l'intersection, je veux une main qui contienne ni roi ni dame. Je prends donc 0 éléments, je fais un tas avec mes rois et mes dames, je prends 0 éléments parmi mes 8 rois dames, et dans le reste, je prends 8 cartes parmi 24. Et votre dénombrement est parfaitement correct. Simon ? Juste que le tirage est, vous dites le tirage est désordonné, bah la description des événements comme on l'a fait, avec du moment qu'il y a une explication vaguement, enfin vague pour dire je dénombre le cas où il n'y a pas de dame, le cas où il n'y a pas de roi et le cas où il n'y a ni l'un ni l'autre, on te donnera, on va pas vous embêter sur les raisonnements probabilistes du moment que vous savez vague, enfin expliquer d'où viennent vos nombres et que c'est pas juste balancé. Après ça dépend bien sûr, si la réponse c'était montrer que ça fait ce nombre là. On va vous demander d'expliquer beaucoup mieux si vous avez une question fermée avec la réponse déjà notée que si. Alors maintenant, j'en parlais. Là, on fait un exemple comme ça pour vous faire comprendre la notion. Au concours, on va pas vous demander de compter des cartes. Hein. Enfin, dès qu'il y a du dénombrement simultané en... Je vous ai dit que je pouvais pas faire court si vous étiez pas concentré. Je suis désolé, mais... Je vais être très clair. Le lundi de la rentrée, on fait du TD là-dessus. Je vais m'énerver pendant 2 heures parce que vous serez mal réveillé. Je m'en ficherai, c'est pas grave. Mais le mardi, je fais autre chose. Je refais plus de choses comme ça. Donc c'est pas le vendredi, j'ai rien compris. Je dirais vendredi, vous avez rien envie d'apprendre. Vous débrouillez. Ça vous va? Bon. Donc je dis juste, on va pas vous faire faire ça. Chaque fois qu'il y aura, et donc à partir de mardi, on va faire du dénombrement un peu plus poussé, le mardi de la rentrée, ce sera du dénombrement, déjà très souvent, des questions fermées, parce que on n'a pas envie de vous larguer là-dessus, donc on va vous donner la réponse pour que puisse vous passer à la suite. Et deuxième chose, on va quand même pas être trop regardant du moment que vous savez expliquer comment ça se dénombre vaguement. On verra notamment, il y a un exo de proba... 2 CE pourtant, mais qui était absolument abject à faire. Donc la formule était donnée et on attendait juste que vous expliquiez vaguement pourquoi la formule était bonne. Ah, donc c'est ça qu'on va faire et qu'on va expliquer comme ça, c'est tout. Voilà pour ça. Mais voilà un exemple de tirage compliqué où la partie dénombrement, c'est vraiment juste cette idée-là de séparer en plusieurs urnes disjointes. C'est pas si simple de séparer en urnes disjointes si on sait pas combien on tire dans chaque urne. C'est ce qu'on vient de voir ici. Et voilà comment on calcule ce genre de probabilité-là. Faisons autre chose. Faisons un autre cas. Un autre cas qui montre un tout petit peu un dernier raisonnement. On peut faire la dernière question, mais elle n'est pas très très. J'ai dit quoi ? Calcule la probabilité d'obtenir une main ayant au moins une dame et un roi de la même couleur. Alors, si on peut le voir, on peut le faire, si. On va faire la question 5. Donc là, je veux... Alors, pourquoi elle m'intéressait moins, celle-là ? À mon avis, on va pas l'amener jusqu'au bout, elle est trop longue. Enfin, il y a trop de sous-cas et trop de cas disjoints à faire, mais c'était pour vous montrer le dernier concept. Donc, ça va permettre de voir comment vous faites et pourquoi ça marche pas très souvent. Comment vous voulez me calculer une main qui possède au moins une dame et un roi de la même couleur? Zacharia, vas-y. Alors justement, mais le... Alors si on se base sur les événements précédents, ça ira peut-être à peu près. C'est quoi le complémentaire de au moins une roi et une dame de la même couleur ? Vous
Oui, c'est au plus une dame ou un roi de la même couleur. C'est-à-dire que dès qu'on a une dame d'une certaine couleur, on ne peut pas avoir le roi de la même couleur. Mais t'imagines le nombre déjà. En fait, c'est le problème de cet exo-là. Enfin, cette dernière question, je la donne toujours pour vous faire réfléchir au principe. On va peut-être pas la faire en entier parce qu'elle est pas si intéressante que ça une fois qu'on a vu les sous-cas. Mais le problème, c'est qu'il y a combien de possibilités ? Il y en a plein. Parce qu'on peut avoir très bien les quatre dames et aucun roi. Enfin, il y a vraiment, même pour le contraire, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Dans l'événement d'avant, le contraire, avec trois possibilités, c'était simple. Là, il y a même beaucoup, beaucoup de possibilités. Avoir une dame et un roi de la même couleur, il y a aussi beaucoup de possibilités. Alors, il y en a quand même un tout petit peu moins ici qu'ailleurs. Simon, comment tu ferais ça ? On calcule la probabilité d'avoir exactement... Eh oui, c'est un au moins. Donc oui, vous voyez l'horreur du truc. Alors, c'est justement l'horreur de cette question et c'est juste à ça que je veux arriver. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. Tous ceux qui pensent qu'il suffit de dire, bah, je prends un roi parmi les quatre, maintenant que j'ai mon roi parmi mes quatre, je prends la dame de la même couleur. C'est bon. Et alors, ne notez pas, c'est complètement faux ce que je vais noter. C'est pour vous faire comprendre que ce raisonnement-là ne marche pas. Et c'est le seul but de cette question. Si vous dites, je prends un roi parmi quatre, là, je tire un roi. Là, je tire forcément, du coup, en fait, je dis juste une parmi une, si vous voulez. C'est, je tire la dame de même couleur. Une fois que j'ai tiré mon roi, j'ai plus le choix de la dame, entre guillemets. Et derrière, vous pouvez dire, je prends six cartes parmi. J'ai tiré un roi, une dame, je prends six cartes parmi 30. Ce raisonnement-là ne marche absolument pas. Et vous allez le voir beaucoup traîner sur Internet ou dans les bouquins qui essayent de se vendre pour raconter n'importe quoi. Tous les bouquins sur le loto, comme quoi il faut jouer tel truc pour gagner au loto ou des choses comme ça, génial. Ce genre de raisonnement-là va passer parce que vous allez dire, mais c'est évident, bah oui, je prends ma roi, je prends ma dame, je prends mon roi et après je complète n'importe comment. Ben non, parce que là vous n'êtes pas en train de tirer dans des cas disjoints, donc vous recomptez plusieurs fois la même chose. Donc entre guillemets, vous augmentez le nombre de possibilités. Donc le nombre que vous allez avoir est plus grand par rapport au nombre réel. Donc on ne peut pas faire ça. Donc il faudrait séparer des cas des mains où il y aurait une dame un roi de la même couleur et ensuite aucune autre dame aucune autre roi, puis deux rois une dame, puis deux dames un roi, puis deux trois dames deux rois, puis il faut faire toutes les branches de cet arbre là, chacune des branches se dénombrant de façon très simple avec la disjonction de cas qu'on a vu. Donc fallait en parler pour pas faire ce genre de raisonnement, mais c'est tout, c'est une question horrible, elle est mise dans le sujet pour ça. Enfin, pour vous faire juste comprendre ce principe-là. Faisons un dernier exercice qui, en général, me permet juste de vous montrer l'intérêt du dénombrement par rapport à la non-intuitivité des probabilités, pardon. Je vais me le faire chaque année parce qu'à chaque fois, vous vous trompez. Alors, à chaque fois, vous me dites, mais si, monsieur, c'est évident, on le sait déjà et c'est comme ça. Il y a 365 jours dans l'année. 0,25. Merci, Maxence. Vous êtes 43 dans la classe. Quelle est la probabilité? Juste à froid. Est-ce que la probabilité que deux personnes aient la même date d'anniversaire est grande ou petite? C'est-à-dire, pour vous, petite, moins de 50%, grande, plus de 50%. Alors, levez la main ceux qui pensent que c'est petit. Ok. Levez la main ceux qui pensent que c'est grand. Ou ceux qui n'avaient aucun avis, d'accord. Ceux qui dorment, merci. Non, mais... Déjà, dans la classe, vous allez me dire, c'est évident, on le sait, c'est le cas. Non, vous ne connaissez même pas vos dates d'anniversaire. Si. Et ce n'est pas le cas. On a réussi à trouver une classe de 43 élèves où personne n'a la même date d'anniversaire. Pas la même année. Ah, pas la même année, mais en termes de jours, si on se limite juste au nombre de jours. Voilà, on se limite juste au nombre de jours. On se limite juste aux 365 jours. Ok. Je vais pas vous mentir, je crois que sur les 8 promos que j'ai eues depuis que j'enseigne en prépa et que je fais cet exercice chaque année, je n'ai jamais eu la moindre promo. Il n'y avait pas deux personnes qui avaient la même date d'anniversaire. Alors, comment c'est possible et pourquoi? En fait, c'est la probabilité que deux personnes aient la même date d'anniversaire est très, 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 très grande. Alors ça me permet de vous parler un tout petit peu de la non-intuitivité des probas, qui est liée à un phénomène très grand.
Et c'est pour ça qu'on va vous arnaquer avec le loto, avec plein de choses. Pourquoi on peut vous arnaquer avec le loto? Parce qu'il y a 15 millions de tirages. Est-ce que c'est concevable 15 millions de quelque chose? Ce n'est vraiment, votre esprit ne peut pas le concevoir. Alors, il y a des gens très gentils qui, à une époque, disaient qu'un mort, c'était un drame et qu'un million de morts, c'était une statistique. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que votre esprit peut le concevoir facilement? Non. Donc, puisque vous ne pouvez pas concevoir, vous faites des raccourcis dans votre esprit, qui est 100% normal, pour essayer de ramener le problème à un cas que vous pouvez concevoir. Tous ceux qui m'ont dit que la probabilité était faible, quel calcul simple vous avez fait dans votre tête pour essayer de vous dire que le nombre était petit? Vous avez fait 43 divisé par 365. C'est pas très grand, donc la probabilité est faible. Sauf que comment on vérifie si deux personnes ont la même date d'anniversaire? Je pars de Baptiste, je vais devoir vérifier la date d'anniversaire de Baptiste avec les 42 autres, 42 possibilités. Puis, multiplié par ça, puis, quand je dis puis, on multiplie. Maintenant, Erwan, je vais devoir aller le vérifier avec les 41 autres. Puis, on continue Tijani avec les 40 autres. Donc, j'ai déjà du 42 fois 41 fois 40 et je continue. Donc, le nombre de possibilités de tirage à vérifier, est-ce que ça ressemble à du 365? Pas du tout. Donc, on est dans un espace d'une dimension absolument gigantesque et vous essayez de ramener ça à un nombre que vous pouvez contrôler, qui est normal, qui est le 43 sur 365. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et donc, faut faire très attention quand on vous fait des amalgames de nombres en disant « ça fait à peu près ça » parce que c'est là où on vous raconte très souvent et très rapidement n'importe quoi et vous ne voyez pas qu'il y a une arnaque. Donc les probas, c'est pas du tout intuitif, c'est juste du calcul. On va essayer de dénombrer cette situation et de voir ce qui se passe. Ok, donc faisons l'exercice. Il est... Je sais même pas si je l'ai mis sur la feuille, tellement j'ai l'habitude de le faire. Je sais qu'il y sera alors que je l'ai pas mis du coup. Donc on a... Alors on va faire une grosse hypothèse qui est complètement fausse. Si vous regardez les courbes de la natalité tous les ans, c'est pas du tout ça. L'hiver, il fait froid, faut se réchauffer. Mais vraiment, si vous regardez les courbes, c'est pas du tout une uniforme. C'est-à-dire que là, on suppose que les dates d'anniversaire sont tirées au hasard. C'est ça, je vous le dis. En tout cas, c'est le cas en France. J'ai déjà vu les données en France, donc c'est sûr. Mais ailleurs, je pense aussi. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout une courbe plate avec un nombre de naissances qui est constant. Donc on suppose que leurs dates d'anniversaire sont tirées au hasard. Et on va... Alors, je vais résumer les dates d'anniversaire. Encore une fois, on ne prend pas les années. À un jour parmi 365. Le pauvre qui est né le 29 février, tant pis pour lui. Alors, je viens d'expliquer un peu ce qui va se passer avec l'exemple où je suis parti de Baptiste et j'ai dit qu'il faut qu'il se compare avec tout le monde. Là, il faut s'en rendre compte. Et encore une fois, l'espace est tellement grand que ce n'est même pas si simple que ça de se rendre compte si l'événement est grand ou petit. On est dans un cas tel... Pour moi, vérifier si au moins une personne a la même date d'anniversaire, c'est quelque chose de très compliqué. Comme je l'ai dit, je dois vérifier avec Baptiste pour tout le monde, avec Erwan pour tout le monde, avec Yannick pour tout le monde, et je continue. Il y a un truc beaucoup plus simple. Il faut le voir, il faut s'en rendre compte. En gros, il y a beaucoup de possibilités pour cet événement. Si on croit qu'il y a beaucoup de possibilités sur cet événement, il faut nécessairement, je vous l'ai déjà dit plein de fois, d'essayer de passer par son
complémentaires pour essayer de faire moins de possibilités. Oui, c'est beaucoup plus simple d'essayer d'estimer la probabilité que tout le monde ait des dates d'anniversaire différentes. Parce que là, c'est beaucoup plus simple. Pour Baptiste, je peux choisir n'importe quelle date parmi 365, et une fois que j'ai choisi la date pour Baptiste, bah pour Erwan, je choisis n'importe quelle autre parmi les 364 restants. Ça a l'air quand même beaucoup plus simple que de comparer tout le monde à tout le monde. Donc, c'est juste ça qu'on doit faire, et une fois qu'on a fait ces calculs-là, ça va marcher. Donc, première chose, c'est, on va plutôt dire, calculons la probabilité du complémentaire. Ok. Alors, on n'a pas fini du tout. Je peux passer à la page d'après. C'est juste tous les élèves ont des dates d'anniversaire différentes. L'événement. Je suis où? Je suis là. Là, il va pas y avoir beaucoup de choix. Pour arriver à s'en sortir, il va quand même falloir qu'on comprenne dans quel espace on fait nos tirages pour pouvoir appliquer la formule cardinale de A sur cardinale de oméga. Ça correspond à quoi notre espace oméga ici, notre tirage au hasard quand j'essaye de faire des dates d'anniversaire pour tout le monde? Alors on va tirer des dates de 1365 pour 43 personnes, et à la base dans l'espace total où vous pouvez tous avoir la même date d'anniversaire. Donc en fait j'ai pas trop le choix, je fais donc des tirages de nombres entre 1 et 365, et on est bien d'accord qu'ici je fais des tirages avec remise. Parce que deux personnes peuvent avoir les mêmes dates d'anniversaire dans l'espace total. Donc je reviens en arrière, c'est juste pour vous montrer la petite complexité de cet exo. Je passe quelques pages. Puisqu'on est avec remise, j'aimerais bien compter cette classe de façon désordonnée, parce qu'il y a beaucoup moins de possibilités. Mais puisqu'on est avec remise, est-ce qu'on sait faire en désordonnée? Donc on ne va pas avoir le choix pour cet exercice, puisqu'on fait des tirages avec remise, on va devoir faire des tirages de façon ordonné. C'est pour ça que depuis le début, je parle de, on part de Baptiste et on fait tout comme ça. Donc, oméga, pour moi, mon espace oméga, ça va être une 43 listes. Donc le cardinal de l'espace oméga, je fais un tirage ordonné avec remise de 43 éléments de 1 à 365. Qui est capable de me dire combien il y a de possibilités? Je reviens en arrière, c'est mon tirage. Je fais un tirage avec remise de 43 numéros parmi 365. Gaspard ? Exactement, c'est exactement ça. Oui, voilà la taille de votre espace. Et que vous avez fait un amalgame en mettant 365. Il manque juste 365 puissance 42 dans votre dénombrement, quoi. Ok. Donc mon événement A bar qui était toutes les personnes ont des dates différentes. Toutes les personnes. Je crois que c'était des étudiants avant, mais c'est devenu des personnes. Je ne sais pas si c'est une amélioration. Quel va être le cardinal de A en fait? Si j'essaye de décrire A, un élément de A, que les personnes ont des dates différentes, je décris quoi? Est-ce que vous êtes d'accord que je dois décrire une 43 liste d'éléments distincts? Donc le cardinal de A bar, c'est quoi si ça revient à tirer 43 numéros sans remise de façon ordonnée parmi 365? C'est l'autre formule de cours dans le cas ordonné. Ça vous fait du 365
factoriel. Alors sur 365 moins 43, ça vous fait du 322 factoriel. Donc la probabilité de A bar, maintenant c'est très facile, on a fini l'exo. Hein. Ça devient 365 factoriel sur 322 factoriel, 365 puissance 43. Hugo ? Ah oui, donc maintenant, bien sûr, notre probabilité est qu'au moins deux personnes aient la même date, bien sûr. Maintenant, P de A, c'est 1 moins la probabilité de A bar. Et on aura fini l'exercice. Alors là, je vais permettre de vous le faire, ce calcul. Pour vous montrer juste un petit problème. Et qui est commun à chacun des ordi. Hein. Vous prenez même l'ordinateur le plus puissant, à mon avis. Pensez qu'un ordinateur le plus puissant, 365 factoriel, il va l'encaisser. Vous imaginez le nombre de chiffres qu'il y a dans 365 factoriel ? Oui, non, mais quand je dis ça, mais je veux dire, enfin, ça va pas marcher aussi bien que ça. Ah non, mais justement, ça c'est quoi ? Ça doit être un exo. Alors, justement, on va pas calculer la factorielle, c'est trop long et c'est trop compliqué, il va pas savoir me le faire alors. Ça fait juste 365 jusqu'à 323. Il y a combien de termes là-dedans ? Il y en a 43 des termes. Je vous assure, enfin, c'est juste calculé. Et ça, on doit le diviser par 365 puissance 43. Donc en fait, on doit le diviser par 365. Donc à part le premier terme qui ne sert à rien, j'ai donc 42 termes où je dois juste faire 364 sur 365, 363 sur 365, ça c'est proche de 1. Ça, il va savoir le faire. Donc, comment on va faire ? On va juste faire un petit truc. On va lui dire for k égale 1 jusqu'à 42, vu qu'il n'y a plus que 42 termes, vu que je supprime le premier terme. Je vais initialiser une variable avant, je vais la mettre à 1 pour pas que ça pose de problème. Et maintenant, je vais juste dire u reçoit. Ah, il m'en va pas. Est-ce que vous êtes bien d'accord que c'est ça qui se passe ? Je fais juste que multiplier le nombre par ce qui est avant, etc. Donc la factorielle, ça marcherait pas, mais ça va marcher très très vite et tout seul. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas à être longtemps là. Ah oui, si j'ai pas de dispeu, ça va pas. Donc attention, ceci est la probabilité de A bar. La probabilité de A bar, c'est 7,6%. Il y a 92,3% de chances que dans une classe de 43 élèves, il y ait au moins deux personnes qui aient la même date d'anniversaire. Les probabilités ne sont pas intuitives.